aujourd'hui, on se retrouve pour une enceinte, donc une enceinte DOS en format colonne. Donc avant de commencer ça, je voudrais remercier TechNow, donc la chaîne TechNow, je vous mettrai le lien dans la description. Donc merci beaucoup Vivien de m'avoir filé le contact, très sympathique, donc la marketing de chez DOS. Donc c'est une enceinte qui est disponible sur Amazon. Alors c'est une enceinte en format colonne, pourquoi? Bah c'est facile, on va se faire un côté design, donc on a un orifice sur le dessus, et c'est pour pouvoir mettre cette petite machine, donc la Echo Dot 2, donc de chez Amazon bien sûr. Donc pour pouvoir parler et surtout booster le son, parce que là on a une sortie double de 2 x 10 watts, donc ça nous laisse une petite sortie son quand même relativement sympa, ce qui fait qu'on peut entendre bien Alexa maintenant, parce qu'avec le truc de base, vous verrez, on fera la vidéo d'Alexa après, c'est un peu plus compliqué pour avoir quelque chose de propre. Bon, peu importe. Donc là, on est sur batterie. On est sur du 2200 mAh. Donc, ce qui nous donne avec l'Alexa connectée, donc Jessie dans le jardin, ça donne environ 5-6 heures d'autonomie. Donc, sans ça, juste en Bluetooth, ils partent sur 8 heures d'autonomie, eux. Ce qui est possible. C'est vrai qu'Alexa est un peu plus gourmande parce qu'elle va se connecter en Bluetooth, rechercher les infos par Wi-Fi, etc., etc. Donc, par contre, c'est très bien de l'avoir mis sur batterie, ce qui nous permet de pouvoir la mettre dans le jardin pour écouter de la musique. Mais vous verrez qu'avec Alexa, on en reparlera, c'est elle vous force un peu sur certains trucs. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un truc que je vais pas beaucoup, que je vais beaucoup utiliser et vous refaire des retours beaucoup dessus. Mais vous verrez que c'est assez spécial. Bon, peu importe, on retourne sur l'enceinte. Donc, sur le côté droit, on retrouve un bouton d'allumage, un bouton d'extinction. Bien sûr, un bouton volume plus, volume moins, mais Alexa peut le faire très bien si vous le faites à la voix, c'est pas un souci. Mais là, vous avez l'occasion de le faire si vous êtes branché en auxiliaire, parce qu'on a quand même une entrée auxiliaire et une entrée Bluetooth 4.0, donc c'est assez bien pour faire ça. On a un bouton play et pause, donc ça c'est cool si vous êtes en train de parler au téléphone et que la musique est à plein badin. On retrouve sur le derrière du module donc une petite ouverture en silicone aussi très sympa. Donc on retrouve notre connectique pour brancher l'Echo Dot 2, donc une USB type 2, enfin type B, et une prise de jack 3.5. Vous pouvez la mettre aussi en Bluetooth, c'est pas un souci. D'ailleurs sur le haut du capuchon, sur le haut de l'enceinte, on retrouve un capuchon en plastique. Si vous n'avez pas les codotes et que vous voulez quand même vous prendre l'enceinte, eh ben c'est possible aussi de mettre un petit capuchon en plastique. Alors c'est pas du plus bel effet, parce que ça reste du plastique assez brut et assez... Donc ça craint un peu, surtout que le reste est très joli, c'est un tissu qui recouvre l'enceinte. C'est relativement propre, très sobre, hein. Ça c'est clair et net. Il y a pas de... On a une petite LED quand même, je vais vous l'allumer. Bon, vous la verrez pas, mais vous la verrez sur le plan. On a une petite LED qui indique l'autonomie de la batterie. Donc quand elle est rouge, il faut la recharger. Quand elle est verte, elle est bien. Et quand elle est bleue, elle est en charge. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Après, vous pouvez le laisser en charge. D'ailleurs, très bon point, sur le dessous de l'appareil, on retrouve deux pads en silicone qui empêchent la glisse sur la table quand il y a beaucoup de basses. Donc j'ai essayé avec du Little Big, avec de la musique un peu comme ça, là, du Soulfly aussi. Bon, Soulfly, elle aime pas trop parce que c'est vraiment violent. Par contre, Little Big, ça passe. L'enceinte ne bouge pas de la table, il n'y a pas eu de souci. Après, ce sera plus, pas pour écouter de la musique, de la grande musique, mais c'est vrai que pour la bibliothèque Amazon Music, ça suffit amplement. Après, vous verrez aussi par vous-même, si vous la prenez, le son est bon, mais c'est pas non plus transcendant, ça reste une petite enceinte pour communiquer avec Alexa et communiquer avec d'autres personnes qui ont Alexa par exemple. Donc ça on peut le faire, moi je reviendrai aussi, je vous expliquerai tout ça plus en détail avec la vidéo d'Alexa. Donc peu importe. Donc voilà, on retrouve une prise auxiliaire entrée sur le dessous, un bouton reset au cas où il y a un problème. Bon, ça c'est très rare, mais ils le mettent, donc ça c'est très bien. On a une connectique de charge en type B aussi, USB type B. Donc ce qui fait que vous la mettez sur votre meuble, vous laissez recharger avec un transfo. Le transfo est pas avec, par contre, il est pas dans le carton. Voilà, là c'est coupé. On va l'éteindre. Tac. Donc, oui, je disais, on n'a pas de transformateur avec, en type FR. Donc, ce sera à vous de le mettre ou de le mettre avec une prise USB, peu importe. Donc, ça rechargera la batterie et ça filera aussi le jus pour Alexa. Donc, ça, c'est cool. Bah, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous verrez la musique tout de suite. La musique, c'est propre. Je vais essayer de vous faire du... Je vais vous la montrer avec Alexa, comment ça fonctionne, parce qu'il y aura quand même un petit défaut, on en reparlera après. Mais avec la musique, je vous mettrai du copyright free, et vous allez voir que le son n'est pas dégueulasse, c'est propre. Franchement, c'est propre, c'est un peu plus en dessous de Oki, ok, d'accord, mais c'est très propre. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Donc c'est un truc qui est aux alentours de... Bon, c'est même pas aux alentours, c'est à 50€ sur Amazon en ce moment. Donc je mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Franchement, propre. Après, ça, sans Alexa, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Ça c'est sûr. Donc là vous allez écouter le son et puis on va revenir à un petit point négatif qui est sur l'enceinte, qui est pas méchant, mais il faut quand même que je vous le dise, parce que moi je pars quand même dans l'optique de vous dire les choses en tant que testeur, je pars dans l'optique de vous le dire franchement. Donc voilà, je vous le dirai après. Là vous allez écouter la musique, vous allez me dire après dans les commentaires ce que vous en pensez, et on se retrouve après. Allez, ciao. Thank you.
Voilà, donc on se retrouve. Alors le son, moi je sais que j'aime bien. C'est une petite enceinte d'appoint, ça reste du transportable, même si ça pèse un peu. Je vous mettrai le poids d'ailleurs, je vous mettrai un plan avec la balance, parce qu'on est bien sur un bon kilo là quand même. Donc avec Alexa, Alexa pèse pas lourd, mais ça fait un bon kilo quand même. Vous trimballez dans le sac à dos, je peux en parler, mais c'est un peu compliqué. Bon, après l'autonomie est là, c'est vrai. Donc après, c'est à vous de voir. C'est vrai que moi, la musique en extérieur, c'est... je préfère un casque. Mais bon, peu importe. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un petit problème quand même avec Alexa, c'est qu'on a 7 micros sur Alexa. Enfin, sur l'Echo Dot, pardon. Sur Alexa, c'est un peu plus vague. Sur l'Echo Dot 2, on a 7 micros. Donc, elle vous repère facilement la voix, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand vous mettez votre module, en fait, les quelques micros qui sont sous la carte mère, eh ben, ils vont être complètement étouffés, et ce qui fait qu'il vous restera plus que quelques micros sur le dessus pour que l'Alexa vous entende. Du moins les interstices, les trous. Donc c'est un peu chiant, parce que quand vous mettez le volume à fond avec l'enceinte, Alexa, vous pouvez gueuler comme un porc, jamais vous répondra. Jamais. C'est un peu gonflant. Donc vous êtes obligé de baisser le volume, de le remettre à peu près à 6-7. Donc avec Alexa, je parle du volume d'Alexa, parce que c'est elle qui dirige le truc. Moi, je n'appuie jamais sur les boutons de l'enceinte. Donc vous lui dites volume 6, volume 7. 7, c'est le max. Franchement, c'est le max. Après, au-dessus, Alexa ne vous entendra plus. Donc si vous voulez couper la musique urgemment, bah, il faudra vite courir sur votre truc et appuyer sur le bouton pour lui dire de fermer sa gueule. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est bon à savoir. Alors ça fonctionne quand même bien. Après, si vous restez pour le vocal, vous restez en 5 ou en 6, volume 6, volume 5. Vous restez comme ça, vous l'entendez mieux, vachement mieux avec ça, c'est clair. Donc après, pour les infos, etc., pour la météo, surtout quand vous avez les gamins, le petit module ne suffit pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Il vous faut une enceinte. Et c'est Amazon qui voit ça un peu comme ça. Hein. C'est un peu de la vente forcée. Parce que Alexa, si vous voulez l'utiliser, juste le module seul, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de bruit chez vous, ça suffit. Par contre, si vous voulez commencer à écouter de la musique et profiter d'Amazon Music, vous êtes obligé d'acheter ça. Eh oui. Donc, il y a le modèle de chez Amazon et il y a ce modèle-là. Il y en a d'autres qui vont arriver après, hein, c'est sûr. Mais moi, j'ai préféré celui-là parce qu'il est quand même largement moins cher. Et à mon avis, on doit être sur la même kiff-kiff pour le son. Hein. Donc, il y a un peu moins de tape à l'œil, certes. Mais peu importe. Moi, je préfère un truc sobre comme ça. Sur un meuble, franchement, ça ne jure pas trop. Ça va, ça dépend de la déco que vous avez, bien sûr. C'est une déco un peu campagnard, ça va pas le faire. Donc on va passer au plus au moins. Je reprends ma fiche. Hop là. Alors les plus, les moins de l'appareil. Donc j'ai marqué le son est bon et indispensable. Donc c'est ce que je vous disais, le son est bon et indispensable. Si vous voulez commencer à écouter de la musique sur Amazon Music, et même si vous êtes dans un endroit un peu bruyant, surtout avec des enfants, j'entends, donc le module ne suffira pas, il faudra une enceinte. Donc vous serez obligé d'y passer. Mais vous pouvez le brancher sur d'autres enceintes, attention. Mais ça, on y reviendra. Avec l'Echo Amazon, bonne autonomie. Ouais, très bonne autonomie. Donc très pratique si vous voulez vous la mettre à côté du hamac. Donc le Wi-Fi d'Alexa n'est pas dégueulasse d'ailleurs. Donc moi, jusqu'au bout du jardin, allez, à peu près à 20-25 mètres, j'ai encore l'autonomie. Et vous mettez votre enceinte, vous mettez Alexa, mets-moi du blues, mets-moi machin, et régal. Juste avec siroter le cocktail. Bien, nickel. Je kiffe. Donc, ouais, ne se sauve pas de la table. Ouais, c'est vrai que le poids est là. Et même avec une musique très forte, avec beaucoup de basses, elle ne va pas sauver de la table. Donc ça, c'est encore un très bon point. Donc maintenant, moi, j'ai l'impression que tous les constructeurs ont compris hein, qu'une enceinte légère, ça se barrait. Donc là, il n'y a pas de risque. Donc vous n'allez rien risquer de casser si vous la lâchez du regard, il n'y a pas de souci. Donc après, dans les moins, j'ai marqué quoi? Bah, c'est ce que je vous disais avec le problème de micro. C'est vrai que ça atténue un peu le son des micros en dessous, ce qui fait qu'Alexa à plein volume ne vous entend plus. À plein volume, si vous voulez lui dire stop la musique, eh ben ça va être compliqué. Mais ouais, volume 7 minimum, Alexa comprendra à nouveau et ce sera pas un souci. Donc c'est un petit truc, mais quand même que je voulais vous dire, mais c'est vraiment rien. Mais je voulais quand même le dire, vous le dire. Donc voilà, ça c'est fait. La musique, bouche, j'ai marqué quoi? Oui, bouche les micros. Non, mais c'était le seul truc que j'ai marqué dans les mois, en fait. Donc, elle est disponible sur Amazon au prix de 50 euros et dans vos petits modules. Donc, moi, je vais l'utiliser avec Alexa, c'est pas un souci. Et Alexa, bah écoutez, on va en reparler dans l'autre vidéo. Parce que ça va être quand même un test que je vais faire sur plus d'un an, je pense. Ça va être un long test, donc avec un papier et tout, il va être tout jaune le papier. Mais bon, peu importe. Donc je vous ferai un test quand même, un vrai retour sur un an. Là, pour l'instant, c'est encore un peu jeune. Ça fait quoi, une semaine que je tourne avec. Mais on va reparler dans l'autre vidéo. Donc là, c'était juste le petit module. Donc encore merci à toi, Vivien, pour m'avoir filé le contact. Donc allez vous abonner à sa chaîne. C'est un mec très sympa. Et il y a de la tech, il y a du téléphone, de la vape. Et on parle aussi de l'espace. Bon, quand je suis là, bon, après moi, c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà. Donc il parle de l'espace, mais il est vachement calé. Et un personnage intéressant qu'il faut découvrir. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous verrez par vous-même. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.
Alors attention, on va commencer le drame. Alexa, suivant. Alexa, volume 10. Alexa! Alexa! Alexa, stop! Voilà, donc ça c'est quand en fait elle ne vous entend plus quoi.